On interagit à tout instant avec l'environnement dans lequel nous vivons et devons garder une certaine homéostasie concernant tous les processus physiologiques. L'apport en oxygène est le processus le plus primordial à tout être humain et à la majorité des êtres vivants. Car si nous pouvons survivre quelques jours sans eau et quelques semaines sans apport nutritif, il ne faudra que quelques minutes pour entrer en hypoxie. On estime donc que l'oxygène est un des éléments essentiels à la vie. Et ceux qui passent leur temps les yeux braqués vers le ciel étudient des planètes pouvant avoir une atmosphère et de l'oxygène avant d'investiguer plus loin et mettre une hypothèse sur la faisabilité de la vie sur cette planète. Dans cette série de cours, nous allons explorer le système respiratoire, on partira de l'anatomie jusqu'à la physiopathologie pour comprendre tous les organes et les processus qui régulent la respiration. Let's start. Les poumons sont les organes de la respiration. Ils sont au nombre de deux, situés chacun dans l'hémithorax correspondant, séparés par le médiastin. Ils sont enveloppés par une séreuse qui est la plèvre. Les poumons assurent trois fonctions. L'hématose qui est la fonction d'échange gazeux, la défense contre des substances exogènes inhalées telles que la fumée, la poussière et les germes, et ce grâce au mucus qu'ils produisent qui va retenir ces substances qui seront par la suite évacuées par les mouvements des cils. Enfin, la synthèse du surfactant qui est un agent tensioactif de la stabilité alvéolaire. On passe maintenant à l'anatomie descriptive des poumons. Le poumon, comme vous pouvez le voir, a une consistance molle et élastique. Sa surface externe est lisse, brillante. La couleur est rose chez le sujet jeune. Elle devient gris-bleuâtre chez le sujet âgé par accumulation de polluants. Le poumon droit, as you can see, est plus volumineux que le poumon gauche. On arrive à la configuration externe et au rapport. Chaque poumon, as you can see, a la forme d'un demi-cône irrégulier. Il mesure 20 cm d'épaisseur dans le sens antéro-postérieur et 10 cm dans le sens transversal. Chaque poumon présente à décrire trois faces, trois bords et un apex. La face inférieure ou diaphragmatique est concave. Vous pouvez bien voir cette concavité. Elle est moulée sur le diaphragme. Par son intermédiaire, cette face inférieure va répondre à droite au lobe droit du foie. À gauche, elle va répondre au lobe gauche du foie, à l'estomac, à la rate et à l'angle colique gauche. On passe à la face latérale appelée également pariétale. Celle-ci est lisse et convexe. Elle répond au gris costal en avant, latéralement et en arrière. Les côtes laisseront donc leurs empreintes sur cette face latérale. La face médiale ou médiastinale. Elle répond au médiastin et ses organes qui vont laisser sur le poumon leurs empreintes. Elle présente à sa partie moyenne le hile pulmonaire. Les empreintes sont variables à droite et à gauche. À droite, elle présente en avant et en bas du hile pulmonaire l'impression cardiaque qui se prolonge en haut par le sillon de la veine cave supérieure. Au-dessus du hile se situe le sillon de la veine azygose qui est surmonté par trois sillons verticaux. Le sillon de la veine brachiocéphalique droite, l'aire trachéale et le sillon de l'œsophage. En arrière du hile se trouve le sillon de l'œsophage longé en arrière et en haut par la veine azygose. À gauche, elle présente en avant et en bas du hile pulmonaire l'impression cardiaque
qui est très bien marquée et profonde à ce niveau, ce qui fait qu'il n'y a pas de lobe moyen dans le poumon gauche. Oh, et en arrière du hile se trouve le sillon de l'aorte. Au-dessus du hile, le sillon de l'aorte est surmonté par les sillons du tronc brachiocéphalique, de l'artère subclavière gauche et enfin de l'air trachéal. Après avoir parlé des faces, on arrive à présent à la description des bords du poumon. Le bord antérieur que vous pouvez voir à ce niveau sépare la face latérale de la face médiale en avant. Le bord postérieur, le voici, sépare les mêmes faces, c'est-à-dire médiale et latérale, mais en arrière cette fois-ci. D'ailleurs, il est logé dans la gouttière costo-vertébrale. Enfin, le bord inférieur, le voilà, il est, as you can see, circonférentiel. Il délimite la base du poumon. Il est oblique d'avant en arrière et de haut en bas. On arrive maintenant aux scissures. La scissure oblique gauche commence en arrière et en haut du bord supérieur de la quatrième côte et finit en avant et en bas sur la ligne médio-claviculaire au niveau de la sixième articulation costochondrale. La scissure oblique droite a un trajet similaire. La scissure horizontale droite, par contre, naît de la scissure oblique un peu en arrière, à hauteur du quatrième espace et atteint le bord antérieur du poumon au niveau de l'extrémité antérieure du quatrième cartilage costal. On va parler maintenant de la segmentation pulmonaire ou bien de la division fonctionnelle. On avait vu tout à l'heure que les scissures séparaient les poumons sur le plan anatomique en lobes. À l'intérieur de chaque lobe, les branches se divisent pour former des segments pulmonaires qui sont des unités fonctionnelles. Chaque segment possède une branche, une artère et deux veines. La division fonctionnelle du poumon commence à partir de la division de la trachée qui se fait à hauteur de la cinquième vertèbre thoracique en deux branches souches, droite et gauche. La branche souche droite continue presque verticalement le trajet de la trachée, formant un angle de 10 à 25 degrés avec la verticale. Elle est courte et rectiligne. Elle forme l'arbre branchique droit qui comprend trois branches lobaires destinées au lobe supérieur, moyen et inférieur, et 10 branches segmentaires. On commencera par la branche lobaire supérieure. Elle prend son origine au bord latéral de la branche souche. Elle se dirige presque horizontalement en dehors, très courte et volumineuse. Elle donne naissance à trois branches segmentaires qui détermineront donc trois segments au lobe supérieur. La branche segmentaire apicale, donc le segment apical. La branche segmentaire dorsale, donc un segment dorsal. Et enfin, la branche segmentaire ventrale, donc un segment ventral. Après l'origine de la branche lobaire supérieure, on va retrouver le tronc branchique intermédiaire, d'où va naître la branche lobaire moyenne et la branche lobaire inférieure. La branche lobaire moyenne, elle se détache de la face antérieure du tronc intermédiaire. Elle va se diriger en bas et en avant, légèrement en dehors. Elle va donner naissance à deux branches segmentaires qui détermineront donc deux segments pour le lobe moyen. La branche segmentaire latérale, donc un segment latéral. La branche segmentaire médiale, donc un segment médial. On arrive enfin à la branche lobaire inférieure. Celle-ci continue le tronc intermédiaire en étant oblique en bas, en dehors et en arrière. Elle va donner une branche segmentaire apicale du lobe inférieur dite de Nelson, puis se divisera en quatre branches segmentaires destinées aux quatre segments du lobe inférieur réunis sous le nom de la pyramide basale. La branche segmentaire médio-basale ou paracardiaque,
la branche segmentaire ventro-basale, la branche segmentaire latéro-basale et enfin la branche segmentaire dorso-basale. On avait parlé de la branche souche droite et de la division fonctionnelle droite. On va tout de suite parler de la division fonctionnelle à gauche. La branche souche gauche a un trajet horizontal par rapport à la branche droite. Elle formera ainsi un angle de 40 à 45 avec la verticale. Elle est plus longue et sinueuse et forme donc l'arbre branchique gauche qui comprend deux branches lobaires destinées au lobe supérieur et inférieur et 10 branches segmentaires comme à droite. La branche lobaire supérieure. Elle prend son origine sur le bord antéromédial de la branche souche, se dirige presque horizontalement en avant et en dehors. Elle est très courte et volumineuse, donnant naissance à deux branches. Une branche crâniale ou culminale et une branche caudale ou lingulaire. La branche crâniale ou culminale ventile le culmin qui est formé de trois segments pulmonaires. Elle donnera la branche segmentaire apicale, la branche segmentaire dorsale et la branche segmentaire ventrale. La branche caudale ou lingulaire ventile la lingula qui est formée de deux segments pulmonaires. Elle donne la branche segmentaire crâniale et la branche segmentaire caudale. La branche lobaire inférieure continue la branche souche gauche. Elle est oblique en bas, en dehors et en arrière. Elle a une division identique à la branche lobaire inférieure droite. On arrive à présent à la vascularisation. Les artères et les veines forment deux systèmes. Un système fonctionnel qui comprend les artères et veines pulmonaires et un système nourricier qui comprend les artères et veines bronchiques. Le système fonctionnel, c'est-à-dire le système qui assure la petite circulation, c'est-à-dire le transport du sang désoxygéné et du sang oxygéné. Le système nourricier, c'est le système qui assure le drainage et l'irrigation du poumon afin que celui-ci puisse assurer ses fonctions. On parlera d'abord du système fonctionnel. Celui-ci est constitué du tronc pulmonaire qui est le tronc artériel mais qui véhicule du sang veineux désoxygéné et ce du ventricule droit vers le poumon formant ainsi la petite circulation. Il se divisera en deux branches, l'artère pulmonaire droite et l'artère pulmonaire gauche, une pour chaque poumon, comme leur nom l'indique. Les veines pulmonaires drainent le sang oxygéné des poumons vers l'oreillette gauche. Elles sont en nombre de quatre. Les deux veines pulmonaires droite supérieure et inférieure et les deux veines pulmonaires gauche supérieure et inférieure. La circulation nutritive assure l'oxygénation et l'apport nutritif aux poumons. Cette circulation est assurée par les vaisseaux bronchiques. Les artères bronchiques qui naissent de l'aorte et qui suivent le trajet des branches jusqu'aux branches terminales et qui, arrivées au bout, vont donner naissance aux capillaires bronchiques puis aux veines bronchiques qui vont suivre le trajet inverse afin de se jeter dans la veine cave supérieure et rejoindre l'oreillette droite. Juste un petit mot sur l'énervation des poumons. Celle-ci est sous la dépendance du plexus bronchique qui appartient au système nerveux autonome. Il comprendra donc les deux nerfs vagues et la chaîne orthosympathique. Les organes intra-abdominaux sont recouverts d'une séreuse qui est le péritoine. De même, le poumon aussi est recouvert d'une séreuse qui est formée de deux feuillets enveloppant chacun des poumons. C'est la plèvre.
La plèvre est formée par deux feuillets. Le feuillet viscéral tapisse toute la surface extérieure du poumon, à l'exception du hile, où il va se réfléchir au niveau du pédicule pulmonaire pour devenir le feuillet pariétal. Cette ligne de réflexion va se poursuivre au-dessous du hile pulmonaire pour devenir le ligament pulmonaire ou triangulaire. La plèvre viscérale va tapisser également la surface intérieure des scissures pulmonaires jusqu'au niveau du hile. La plèvre viscérale est indissociable. Elle est adhérente au parenchyme pulmonaire. Le feuillet pariétal. Celui-ci va tapisser presque entièrement la face profonde de la cage thoracique dont il est séparé par le fascia endothoracique. On distingue trois parties à la plèvre pariétale. La plèvre dorsale, la plèvre diaphragmatique et enfin la plèvre médiastinale. On va parler maintenant de la projection du récissus costomédiastinal antérieur. Du sommet de la cupule pleurale, il descend presque à pic pour passer derrière l'articulation sternoclaviculaire. De là, les deux récissus costomédiastinaux antérieurs, droite et gauche, convergent pour se juxtaposer un peu à gauche de la ligne médiane à hauteur des deuxièmes cartilages costaux. Ils circonscrivent ainsi le triangle médiastinal supérieur. Du deuxième au quatrième cartilage costal, les récissus costomédiastinaux antérieurs cheminent verticalement contigus. Au-dessous du quatrième cartilage, ils divergent pour former le triangle médiastinal inférieur et leur trajet diffère à droite et à gauche. Le récissus droit descend obliquement en bas et en dehors, longe le bord inférieur du sixième cartilage et coupe très bas la septième côte sur la ligne médioclaviculaire. Le récissus gauche, par contre, se porte plus rapidement en dehors, découvrant ainsi un peu du péricarde. Il croise le cinquième espace intercostal à 1,5 cm en dehors du bord sternal et atteint le septième cartilage à environ 5 cm de la ligne médiane. Pour le récissus costodiaphragmatique, suivi d'avant en arrière, il se porte en bas et en arrière à partir de la septième côte. Il croise la dixième côte sur la ligne axillaire, puis devient horizontal et croise la onzième côte à 11 cm de la ligne médiane postérieure et la douzième côte lorsqu'il est long à 6 cm de la ligne médiane. Il finit enfin à hauteur du disque vertébral reliant entre la douzième vertèbre dorsale et la première vertèbre lombaire. Afin de vous présenter ce cours, nous nous sommes documentés des cours du Dr Hossein de la faculté de médecine de Béjaï en Algérie, du Human Anatomy de Michael McKinley et de l'Anatomie clinique tome 3 de Pierre Canina. N'hésitez surtout pas à nous laisser vos impressions, ce qui peut être amélioré, et vos gentils commentaires nous font toujours très plaisir. À très bientôt.